Nous vous prions de bien vouloir vous rasseoir. La cérémonie n'est pas encore terminée. Et nous demanderons également respectueusement à l'assistance de rester assis pendant que Monsieur le Président de la République reçoit les honneurs du détachement interarmé. Elle pourra suivre cette partie de la cérémonie sur les écrans géants qui sont disposés dans la salle. À présent, le grand chancelier de l'Ordre national du Lion, Monsieur le Général de Corps d'Armée, deuxième section, Maïsaignan, va remettre le grand collier à son Excellence, Monsieur le Président de la République, grand maître de l'Ordre national du Lion. Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'Ordre national du Lion. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de bien vouloir écouter le discours de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellences, Madame, Messieurs les chefs d'État, chères sœurs, chers frères, Mesdames les Premières Dames, Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs les chefs de gouvernement, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation des pays amis et institutions partenaires, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Madame, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Procureur général près de la Cour suprême, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, honorables députés, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil et du Conseil économique, social et environnemental, autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières, distingués hôtes, Mesdames et Messieurs, avant tout propos, je tiens à vous saluer, chers frères et sœurs, chefs d'État africains, et vous remercier chaleureusement pour l'amitié et l'honneur que vous nous faites en rehaussant cette cérémonie d'investiture de votre présence. Merci au président Denis Sassou Nguesso, au président Paul Kagame, au président Faure Gnassingbé, merci au président Mohamed Ould Abdelaziz,
Merci. Au président Mamadou Issoufou. Merci au président Alassane. Merci au président José Carlos Fonseca. Merci au président Roque-Marc Christian Caboret. Merci au président Adama Barrow. Merci également au président Georges Weah. Merci au président Jules Mada Bio. Merci à madame la présidente d'Éthiopie, madame Sahleh Work Zaoudi. Merci au président André Rajoelina de Madagascar et merci au président Félix Tshisekedi de la RDC. Je voudrais également remercier le Premier ministre du Gabon, le vice-président du Ghana et je reviendrai tout à l'heure sur une étrangère ici présente. Fidèle à l'attachement panafricaniste du Sénégal. Je me réjouis de poursuivre, chers collègues, avec vous, nos efforts communs pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine. Je remercie tous les pays et institutions partenaires qui ont envoyé des délégations à l'occasion de cette cérémonie, ainsi que tous nos invités ici présents. Au nom du peuple sénégalais et en mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Aux urnes, avec un taux de participation de 66,23% pour choisir dans le calme et la sérénité leur futur président de la République. Les observateurs nationaux et internationaux ont salué à l'unanimité la bonne organisation du scrutin et attesté que le vote a été libre et transparent. Le mérite en revient au peuple sénégalais. Je rends grâce à Dieu. Je réitère ma profonde gratitude aux citoyennes et citoyens qui m'ont renouvelé leur confiance à une majorité confortable de 58,26%. Je ressens dans cette confiance renouvelée un honneur pour le bilan qu'elle approuve et une motivation à poursuivre mes efforts pour répondre aux espérances de la nation. Je pense aussi aux compatriotes qui ont exprimé d'autres choix. Ces choix, comme celle de la majorité, j'allais dire ces voix, comme celle de la majorité, mérite le respect pour la diversité qu'elle apporte à notre expérience démocratique. Je dois reconnaître et gratitude, je dois reconnaissance et gratitude pour son soutien et sa patience à ma famille, qui me donne la force et la quiétude
de me consacrer entièrement aux servitudes de l'État. En vertu du serment que je viens de prêter, je serai le président de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. Je renouvelle par conséquent mon appel au dialogue sans exclusive, un dialogue constructif et ouvert à toutes les forces vives du pays, à toutes les forces politiques, aux forces économiques et sociales. À la tête de l'État, je mesure pleinement la responsabilité et la gravité de la charge. Elle rappelle cette charge que la démocratie et la République consacrent l'égale dignité des citoyens et que le mandat électif n'établit aucun privilège au profit du mandataire sur les mandants, mais plutôt une mission au service du bien commun. Il s'agit de servir et non de se servir. C'est donc avec humilité et détermination que je me remets au service du peuple sénégalais. Au cours des 7 dernières années, je me suis pleinement consacré à l'avènement d'un Sénégal pour tous, à travers le plan Sénégal émergent et en mettant en place des politiques publiques fondées sur l'équité territoriale et la justice sociale. Ainsi, nous avons amélioré les performances de notre économie grâce à l'assainissement des finances publiques et à des réformes hardies en matière de gouvernance. Nous avons réalisé des infrastructures structurantes, redressé le secteur de l'énergie, désenclavé des zones isolées et apporté des services sociaux de base dans des localités jusque-là défavorisées. Nous avons élargi les cartes sanitaires, scolaires et universitaires de notre pays et améliorer la condition de l'enseignant et de l'étudiant. Nous avons amorcé le processus de modernisation de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. L'autosuffisance alimentaire est désormais à notre portée. Nous avons mis en place des instruments novateurs d'inclusion sociale et d'équité territoriale, notamment le programme d'urgence de développement communautaire, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, les programmes de modernisation des villes et cités religieuses, les bourses de sécurité familiale, la couverture maladie universelle et les cartes d'égalité des chances pour les personnes vivant avec un handicap. Voilà, mesdames et messieurs, un aperçu du bilan que le peuple sénégalais souverain a positivement sanctionné le 24 février 2019. Nos acquis sont indéniables et seront renforcés par la mise en œuvre de la deuxième phase du plan Sénégal émergent sur la période 2019-2024. En même temps, je suis conscient des défis devant nous parce que j'ai le Sénégal au cœur. Du fond de nos campagnes, aux confins de nos cités, je ressens toutes les pulsions de notre pays, dont celle ardente pour la séquence que nous ouvrons aujourd'hui,
cette jeunesse vibrante et créative qui incarne l'espoir et la force vitale de la nation restera au premier rang de mes priorités. En conséquence, des efforts encore plus soutenus seront consacrés à l'emploi et à l'employabilité des jeunes. Je poursuivrai la réforme de notre système éducatif afin qu'à tous les niveaux, il ouvre pense aux facilités en matière de soins de santé pour la femme et les enfants à bas âge, aux équipements d'allègement des travaux pour les femmes, au financement de la délégation entrepreneuriat rapide, au fonds d'impulsion de la microfinance, au nouveau fonds de promotion de la microfinance islamique et à la construction de nouveaux centres d'assistance et de formation dédiés aux femmes et aux jeunes filles. La troisième priorité que je compte mettre en œuvre tient à l'amélioration de notre cadre de vie, à la promotion d'un habitat décent pour tous et à la sauvegarde de notre environnement. Il y a urgence à mettre fin à l'encombrement urbain. Il y a urgence à mettre fin à l'insalubrité, aux occupations illégales de l'espace public et aux constructions anarchiques dans des zones inondables comme le Technopôle de Dakar. J'appelle à une mobilisation générale pour forger l'image d'un nouveau Sénégal. Un Sénégal plus propre dans ses quartiers, plus propre dans ses villages, plus propre dans ses villes. En un mot, un Sénégal avec zéro déchet. Je ferai prendre sans délai des mesures vigoureuses dans ce sens. J'y engage aussi les autorités territoriales
et locales, ainsi que les mouvements et associations de citoyens. S'agissant de l'habitat, je lancerai un vaste programme pour la construction de 100 000 logements sur les 5 années, afin que progressivement chaque famille sénégalaise, quels que soient ses revenus, puisse avoir accès à un logement décent à un coût accessible. La protection de notre environnement de notre temps. J'ai initié le plan Sénégal émergent PSE vert pour consacrer plus d'efforts à la sauvegarde de notre écosystème par le reboisement massif et une plus ferme lutte contre la spéculation foncière et la déforestation, particulièrement une lutte sans merci contre la spéculation foncière dans les zones humides et celles à vocation agricole, notamment la zone des Niayes. Outre sa beauté naturelle, la zone des Niayes est un maillon essentiel de notre chaîne alimentaire. Elle contribue à nourrir la nation et à générer des recettes d'exportation. Je voudrais dire solennellement que je ne laisserai pas la frénésie de la spéculation foncière détruire cette zone d'intérêt vital pour les producteurs agricoles et pour la nation tout entière. Je veillerai personnellement à la protection des zones à vocation agricole sur l'étendue du territoire national. En même temps, dans le processus d'aménagement de nouvelles zones urbaines, de Diamniadio et du Lac Rose, je réitère l'attention particulière que j'accorde à la préservation de l'écosystème, en particulier la conservation du baobab, ce grand arbre multiséculaire, emblème de notre pays. La réforme de l'administration est la quatrième priorité que je compte mettre en œuvre pour soutenir nos efforts vers l'émergence et le développement. Notre administration, ancienne et rompue à la tâche, est l'épine dorsale de l'État. Elle en assure la stabilité et la continuité au-delà des changements de gouvernement et de régime. Je sais, et je m'en félicite, qu'elle recèle des ressources humaines de qualité, dévouées corps et âme à la bonne marche du service public. Tout cela est appréciable. Mais nous pouvons faire mieux. Notre administration doit aujourd'hui épouser les réalités de son temps et s'adapter à ses missions devenues plus nombreuses, plus diversifiées, plus complexes et donc plus exigeantes. Or, dans bien des cas, trop de routine, trop de lenteur, trop de procédures et de formalités indues continuent d'altérer l'efficacité du service public et la compétitivité de notre économie. Dans la nouvelle dynamique que je compte imprimer à la conduite des affaires publiques, j'ai la ferme intention d'inscrire toutes les actions de l'État en mode fast track. Nous l'avons déjà réussi pour des projets et initiatives majeures. Il nous faut généraliser ces meilleures pratiques. Quand on aspire à l'émergence,
et qu'on est tenu par l'impératif du résultat. L'urgence des tâches requiert qu'il faut accomplir avec diligence le travail qui nous attend. Ce qui doit être fait aujourd'hui ne peut être remis à demain. Voilà le cap que j'entends fixer aux équipes qui m'accompagneront dans ce nouvel élan de réforme transformative. En tant qu'usagers du service public, nous attendons tous de l'administration qu'elle soit plus accueillante à notre endroit, plus diligente dans son fonctionnement et plus performante dans ses résultats. J'engagerai donc des réformes sans tarder, visant à simplifier et à rationaliser nos structures, réformer nos textes là où c'est nécessaire et dématérialiser davantage nos procédures et formalités administratives. Dans la continuité du Forum national de l'administration tenu en avril 2016, il s'agit de moderniser davantage notre système administratif de façon à ce qu'il réponde mieux à ses missions régaliennes de service public et de développement. J'appelle donc chaque agent de l'administration à être un acteur et un partenaire de cette mutation qualitative. Dans le même esprit, je compte saisir l'Assemblée nationale afin qu'elle accompagne les changements dans la gouvernance de l'exécutif pour un meilleur suivi des politiques publiques. Pour ce chantier et pour d'autres, l'ardeur de la tâche ne doit jamais tempérer notre détermination à explorer de nouveaux horizons pour mener notre pays vers plus de progrès et de prospérité. Telle est la finalité que j'assigne à notre ambition collective de réaliser le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Ensemble, mes chers compatriotes, ayons la confiance qui féconde l'action et le résultat. Ensemble, gardons à l'esprit que cette nation qui nous rassemble sous son ombre protectrice est beaucoup plus grande que la somme de toutes nos ambitions réunies. Ensemble, restons dans le temps de l'action et continuons notre marche résolue vers le Sénégal émergent. Ensemble, dans un monde de turbulences et d'incertitudes, restons fidèles aux générations passées et dignes des générations futures, en maintenant notre cher pays dans les eaux calmes de la paix, de la stabilité et du développement solidaire et inclusif. Notre histoire commune nous le commande. Notre destin partagé nous le demande. Madame, messieurs les chefs d'État, chefs de gouvernement, messieurs les vice-présidents, mesdames, messieurs les chefs de délégation,